À Cotonou, dans quelques heures sur cette avenue commerçante, un nouveau magasin va ouvrir ses portes. À quelle heure il est ? 16h. 16h. Ça avance. L'homme derrière cette enseigne, c'est lui, Richard Ojrado. C'est le patron de la marque Asuka Spirit WorldTech, spécialisé dans les nouvelles technologies. Cela fait 5 ans qu'il a lancé sa marque sur Internet. Alors pour lui, ouvrir un magasin, c'est une grande première. Vous savez ce que ça fait d'attendre un bébé ? Ben, c'est un peu ça. On a l'impression que le travail continue et ça s'accentue. Et là, c'est imminent, l'arrivée du bébé. Ben, le bébé, qu'est-ce qu'il va devenir ? On ne sait pas. Et tout ça, c'est excitant. Ce soir, il attend environ 200 personnes. Alors, tout doit être parfait. Attention. Ouais. Ses doigts. Regardez, dis-moi si ses doigts. Dans cette boutique, il commercialisera ses produits phares, des ordinateurs ou encore des montres connectées. Il est 18h, tout est enfin prêt. Richard fait son entrée. Cette inauguration, il a voulu la plus traditionnelle possible, à commencer par le cocktail. C'est waouh. Ça, c'est chez nous, ça. On doit consommer nos propres produits. Et tout ça, c'est fait au Bénin. Voilà, c'est la révolution africaine. Et il faut encourager. Il faut vraiment encourager. Place ensuite à la bénédiction dans la plus pure tradition béninoise. Car même s'il vend des produits high-tech, Richard reste très attaché à la tradition. Nous sommes ici chez Asuka. Asuka, c'est guerrier. Vous voyez, et quand on dit Asuka Spirit, c'est esprit guerrier, esprit bienveillant, esprit protecteur. Il faut que nos produits nous parlent. Et au-delà de nos produits, notre comportement, ce que nous présentons, nos produits et notre environnement doit refléter vraiment d'où nous venons, ça doit nous présenter. Quand vous allez chez les concurrents ou dans d'autres enseignes, ben, quand vous entendez X, Y, Z, vous ne savez pas ce que c'est. Parmi les personnes présentes ce soir-là, il y a un invité de marque. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises a fait le déplacement et Richard lui déroule le tapis rouge. Là, nous avons nos lunettes connectées avec plusieurs designs, plusieurs montures, les montures classiques de vue. Donc on peut, les verres sont interchangeables. Nous avons nos ordinateurs, plusieurs gammes d'ordinateurs. Ça, c'est le Shango. Là, vous avez la AS Watch V7, c'est le premier prototype que nous avons réalisé. Donc nous avons plus de 455 commandes déjà validées. Ce marketeur de formation connaît les techniques pour convaincre ses futurs clients. Et aujourd'hui, ça va porter ses fruits. Je peux recommander que pour le compte de cette année, si nous avons tel nombre d'équipements informatiques, d'ordinateurs, des laptops comme ça ou des desktops, qu'on ait Asuka. Pourquoi pas pour totalité ou pour moitié au minimum. Le gouvernement promet de lui commander des ordinateurs. C'est un pari gagné pour Richard, qui s'est lancé un défi, essayer de faire rimer technologie avec Made in Africa.